Bonjour et bienvenue à l'émission Parole pour aujourd'hui. Nous lisons le texte du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, du verset 1er au verset 6, qui parle du problème de l'application de la loi de Moïse concernant la circoncision aux païens qui acceptaient la foi. Nous lisons ici que l'Église d'Antioche vit une controverse au sujet des exigences pour les païens qui voudraient accepter la foi. D'une part, il y avait ceux qui voulaient l'accomplissement strict de la loi, dont la circoncision. D'autre part, il y avait ceux qui, comme Paul et Barnabé, voulaient l'ouverture complète de la foi aux païens sans aucune exigence. Comme il n'avait pas de consensus, les apôtres furent à Jérusalem pour examiner la question avec les anciens de l'Église. Nous lisons, il fut décidé que Paul, Barnabé et quelques autres de leur entourage monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour traiter de ce litige. Cela est écrit dans le livre des Actes au chapitre 15, verset 2. Pour nous aujourd'hui, ce texte montre que depuis le début de l'Église, deux réalités se présentent, celle de la collégialité et celle de l'application de la loi à la manière de Jésus. La collégialité sert à tisser les liens dans la communauté et donne de la crédibilité, alors que, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, les apôtres cherchent toujours à ouvrir les portes de la foi à toutes les personnes en passant par des exigences inutiles. Dans notre prochaine émission, nous verrons la réponse apportée par les anciens à cette controverse. Merci, au revoir et que Dieu vous bénisse. Amen.